자신의 죽음에 대해 파헤쳐가는 주인공의 이야기인데 죽은 작가를 주인공으로 삼은 이유가 있다면 뭔지 궁금해요. Parce que je me demande tout le temps qu'est-ce qui va m'arriver après ma mort. Et l'idée que je puisse devenir juste une âme errante pour pouvoir surveiller ce qui arrive après ma mort me semble intéressante. Mais j'ai une vision assez orientale de la mort. Pour moi, la mort, ce n'est pas un drame, ça ne fait pas peur. La mort, c'est juste le dernier chapitre d'un roman. Et il peut être intéressant de se poser ces questions quand on est vivant, comment tout ça va se terminer, comme quand on lit un roman, se demander comment le roman va se terminer. Mais je crois que penser à la mort, ça fait encore plus apprécier la vie et apprécier chaque instant parce que justement, ça peut s'arrêter. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur ta propre fin ? 사실 상상을 안 해본 건 아니지만 뭐랄까 유니콘 같은 어떤 환상의 동물을 생각하듯이 좀 이렇게 피부로 와닿게 느껴본 적이 아직은 없는 그런 느낌이죠. 그래서 상상은 늘 해보지만 너무나 저에게는 아직은 두렵고 또 먼 존재라고 느껴지는데 말씀하신 것처럼 사실 그렇지 않다는 게 우리 삶의 어떤 형태니까 그래서 사실 죽음에 대한 생각 없이는 하루하루를 정말 온전히 소중하게 살아가기는 힘들죠. 네. 오늘부터 하루를 더 소중하게. Désolé. Moi je crois à la réincarnation. Donc pour moi la vie c'est pas un film. C'est un feuilleton à suivre. Le fait de mourir signifie juste qu'on a terminé, un épisode et on va faire l'épisode suivant. Ce n'est pas un unitaire, c'est un TV drama à suivre. 저는 환생보다는 사후 세계를 믿는데, 네. 궁금한 게 만약에 베르나르 씨가 환생을 하신다면 무엇으로 다시 태어나고 싶으신지 궁금해요. Actrice coréenne. Comme ça, vous deviendrez écrivain et puis on se retrouvera. Mais le fait qu'il y ait un au-delà, ça signifie juste qu'il y a une étape avant la réincarnation. Ça, les deux notions ne sont pas incompatibles. J'ai commencé à écrire des nouvelles à l'âge de 7 ans et j'ai entendu que tu avais commencé ta carrière à 9 ans. On dirait que chacun de nous a démarré très jeune. As-tu déjà rêvé de faire un autre métier ? 네, 저도 어릴 때, 저도 굉장히 어릴 때부터 일을 했기 때문에 사실 다른 재능을 발견하기가 좀 힘들었죠. 왜냐하면 계속 한우물만 봤으니까. 그래서 이제 와서 생각해보면 다른 걸 뭘 잘할 수 있지를 생각해봤을 때 이거 말고는 사실 할 줄 아는 게 별로 없는 그런 느낌이 들더라고요. 근데 아주 어릴 때 글을 쓰는 걸 좋아해서 소설가가 되고 싶다는 생각을 해본 적이 있어요. 근데 이제 그게 어떤 장래 희망으로서의 어떤 그런 것보다도 무언가 쓰는 작업 자체를 항상 좋아했던 것 같아요. 네, 아직까지도 되게 좋아하고. 그렇지만 소설가는 베르나르 씨처럼 재능 있는 사람이 하는 거라고 생각합니다. Je crois que nos deux métiers consistent à distraire les gens de leur vie habituelle. C'est comme si on leur ouvrait des fenêtres pour leur montrer qu'en dehors de leur travail et de leur famille, il y a d'autres choses qui peuvent les intéresser. Je voulais vous dire que je suis aussi en Corée, non seulement pour parler de mon livre depuis l'au-delà, mais aussi pour des projets audiovisuels, de cinéma et de séries, et que ça me serait un grand honneur si je pouvais arriver à vous faire jouer dans mes projets. Ah, 구체화된 이야기인가요? Ça doit se concrétiser dans les jours qui viennent. 네, mais je sais que le monde de l'audiovisuel, c'est très compliqué à monter, enfin, vous le savez aussi, les projets. Mais il y a plusieurs choses qui sont en train de se mettre en place et je pense sur le groupe, il y a forcément un qui va réussir. Et je vous tiendrai au courant. Oh. On me dit que tu as commencé le tournage d'une nouvelle série qui se passe au 19e siècle. Est-ce que ce n'est pas difficile d'incarner un autre personnage que toi, à une autre époque ? Et quel genre de rôle aimerais-tu faire en dehors de ça ? 지금 살고 있는 시대가 아니기 때문에 이제 과거의 기록에 많이 의존을 하기도 하고 또 어떤 역사 자료를 찾아보기도 하는데 신기하게도 이번에 맡은 역할은 그 역사를 기록하는 사람을 맡았어요. 신기하게도 그래서 이건 픽션이고 그때 당시에 여자는 그 government officer가 될 수 없기 때문에 그 부분이 굉장히 어떤
허구라고 할 수도 있는데 이런 여성으로서 할 수 없었던 부분들을 해소하는 그런 흥미로운 상상을 현실로 연기해 볼 수 있어서 굉장히 어렵다기보다는 아주 즐겁게 임하고 있는 것 같습니다. 네, 그리고 앞으로 맡아보고 싶은 캐릭터는 베르나르 씨 새 소설을 영화화 할 때 그 가운데 한 인물을 맡아보고 싶다고. 네. 아, 그리고 한 가지 궁금한 게 이제 이 죽음에서의 주인공이 추리 작가잖아요. 근데 작가인 만큼 어떤 본인의 모습을 투영했는지가 궁금합니다. C'est le roman dans lequel le personnage me ressemble le plus. J'avais envie de parler un peu des coulisses de ce métier. Parce que les gens nous voient comme une personne publique, mais ils ne savent pas ce qu'on ressent dans le reste de notre vie. Et j'ai une question aussi à vous poser. Comment vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas des personnages qui vous changent tellement qu'après vous continuez à être le personnage alors que vous n'êtes plus en train de tourner le film? Est-ce qu'il y a des personnages qui vous changent, vous? 그게 제가 저도 이제 어릴 때부터 일을 하다 보니까 어릴 때는 조금 더 비교적 조금 더 어떤 그런 캐릭터라던가 작품의 성향에 영향을 더 많이 받았던 것 같아요. 근데 그게 고민을 해보니까 그 배우라는 직업이 사실은 자기 삶과 일의 영역을 온전히 분리해 놓지 않으면 굉장히 불행해지겠다라는 생각이 어느 순간 들어서 어릴 때는 조금 비교적 그랬었는데 최근에는 그래도 제 삶은 제 삶으로서 온전히 그 공간을 지키려고 더 많이 노력을 하게 되더라고요. 그리고 저 마지막으로 한 가지 질문이 그 작품 중에 가장 아끼시는 소설이 뭔지 궁금합니다. C'est une réflexion sur qu'est-ce que je vais laisser comme trace. Je crois que c'est un peu tout artiste se pose la question au fait en quoi le fait que j'ai créé va changer quelque chose. C'est un questionnement sur l'héritage. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on a reçu et qu'est-ce qu'on laisse? Je crois qu'on a tous une mission. On est venu pour faire quelque chose. Quand on trouve l'endroit, son chemin, on est heureux. Et quand on est à côté de son chemin, tout devient compliqué. Mais je crois que nous deux, nous sommes sur le bon chemin. Je crois que ma fonction est d'être écrivain, votre fonction est d'être actrice. Même si plus tard, vous pouvez changer de métier, mais vous avez démarré de la bonne manière. 맞아요. La vie nous envoie des signes. Quand on n'est pas sur le bon chemin, on reçoit des signes qui nous disent il ne faut pas continuer, il faut faire autre chose. Comme quand j'étais journaliste, j'ai arrêté pour devenir écrivain, je n'étais pas sur le bon endroit. Et quand on est sur le bon endroit, la vie nous envoie des récompenses pour nous dire continue sur ce chemin, c'est le bon endroit. Est-ce que vous avez du plaisir à faire votre métier? 네, 저는 너무 즐겁습니다. 즐겁고 그리고 물론 뭐 네, 이 즐거움을 위해 가끔 어떤 슬픔과 외로움을 안고 가야 할 때가 있지만 근데 사실 그건 어떤 직업이든 다 마찬가지라고 생각해서 저는 굉장히 감사하게 생각하고 또 즐겁게 일을 하고 있습니다. Je veux dire que c'était un grand moment de plaisir de faire cette interview avec vous et d'échanger entre nos deux cultures différentes et nos deux arts différents. Donc, Kram Samida. It was my honor to meet you here. Thank you. Thank you.